Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Génération 0. Alors, j'ai équipé le pistolet mitrailleur là de niveau 5. Et comme vous le constatez, bon, j'ai enlevé le viseur point rouge parce qu'il ralentit ma visée latérale et verticale, donc c'est un peu chiant comme mes déplacements. Voilà. Et en plus, regardez celui-là, il a ses organes de visée de base sont fluorescents. Donc c'est vraiment cool pour la nuit ça. Ça c'est nickel. Bon, alors on va faire la mission qui est ici, donc haut et fort. D'ailleurs, je vais l'activer. Voilà. Alors, il va falloir. Donc, le chemin le plus court, évidemment, c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pas forcément le plus sûr. Là, ça a l'air d'être une église, donc peut-être un refuge. Je vais aller voir, placer un repère. Je vais aller voir par là. C'est parti. Alors, j'ai revu. Mon équipement, hein, donc j'ai pris le fusil sniper hein, avec vision nocturne et la vision en rayon X. Donc, c'est vraiment cool. Mon pistolet mitrailleur et j'ai pris mon pistolet de niveau 4, Moller PP. J'ai vraiment pris les meilleures armes qui ont les meilleures stats grâce à leur niveau. Niveau de propreté. C'est pas mal. Alors, donc à droite, à gauche, à droite, et après à gauche. C'est bien ça, hein? C'est l'avantage.
Petite bonbonne de explosif derrière et au-dessus. Du coup, je me demande si ça va pas faire comme les les coureurs. Bon, je vais essayer de tirer sur l'antenne depuis ici. Elle est sur la route. Il se ramène vers ici. Il y a autre chose aussi, c'est la qualité de mes silencieux. Parce que là, j'ai un silencieux de niveau 2, je crois. La réduction du bruit n'est pas totale, totale. Ça me fait 1000 XP. Je peux pas cracher dessus. Hein. Bah voilà. Alors. C'est du XP, il faut aussi que. Là, j'ai peur. Allez, détruis-toi. 1500. Là, sans déconner, c'est n'importe quoi, je peux pas bouger là. Putain. Au moins, ils m'ont débloqué. C'est radical, mais au moins, ils m'ont débloqué. Allez. Ce que ça fait sur leur baril d'explosif. On va voir un peu si je peux tirer quelque chose. Ah, c'est ceux qui ont le lance-flammes. Ah non, c'est...
En fait, ça détache leur barre d'explosifs au-dessus. J'ai aussi tiré dans les attaches en métal. Peut-être que ça a juste détaché le baril. Mais si je tire directement sur le baril, peut-être que là, ça va les faire exploser. Il me faudrait une plus grosse lunette de visée. Parce que là, c'est quoi que j'ai, attendez. Comme lunette de visée, c'est quoi? C'est une sur 4, fois une 4. Et ouais, c'est pas énorme. Hein. Pour un fusil sniper, il me faudrait minimum maximum 8. Enfin, minimum 8, pardon. Alors, on y est. C'est calme. Ah. Oh non, me dites pas qu'il m'a repéré. Il a un canon de 50 sur l'épaule. J'ai localisé l'antenne maintenant. Softpoint 270 et une trousse de secours très bien. Trouver des créatifs qui brûlent le signal. Requise, trouver un moyen d'ouvrir l'entrepôt. Oh, c'est pas vrai. Là, par contre, j'avoue, là, c'est pas vrai. C'est pas aussi facile que je le croyais. Alors, okay. Ça, c'est les unités de police, donc j'avais pris les communications. J'avais trouvé les enregistrements, donc c'est peut-être. Le coffre encore, attendez.
petit peu. Oh! Niveau 5. Alors que là, il est. Ah ouais! Ouais, mais c'est du 9 mm pour arme de poing et j'ai pas. Et ouais. Mais là, ça commence à devenir intéressant, les mecs. Oui, les créatures qui brûlent le signal. Les communications sont rétablies. Que dalle, bon, les réseaux de bunker de contrôle. Alors, trouver le tableau de guerre dans le bunker à Minken. Alors, Minken, où est-ce que c'est Minken? C'est peut-être ici. Attendez, il n'y a aucun moyen d'y aller là. Ouais. Là aussi. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Minken. Alors là, je ne sais pas où c'est. Attendez. Minken, Uternes, Vaderne. Ah, faut que j'aille dans les régions, quoi, mais c'est région marécageuse, région montagneuse. Je crois qu'il va falloir que j'aille à Myrdalen. Ouais. Bah écoutez, ce sera pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Génération Zéro. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Prochain épisode, on va aller à Gabonon, on va voir un peu ce qu'on y trouve. Voilà. Allez, ciao tout le monde.